That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Récupérer le reste. Moi qui ai jamais les mains moites, j'avoue que là je les ai un peu en fait. Oh, ok. Flèche simple apparemment. Je sais pas si elle s'est dédoublée ou quoi que ce soit, mais on va prendre la nourriture. Il fait combien? Attends. Oh merde, désolé, je voulais pas mettre pause. Moins 14. Désolé pour la pause. 42. Allez. Ok. C'était obligé. Je vais pas la faire sprinter parce qu'elle est encore fatiguée. Je voudrais me cuire, réchauffer un peu, me réchauffer, et quand on est au max, on va récupérer le reste. J'aurais peut-être dû faire 3 kilos au lieu de 5. Mais ça va, on va se débrouiller. On est à 10h40. Ok. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit parce que un peu en stress et tout ça. Mais j'avoue que là j'aime bien parce que le problème c'est que s'il y a quelque chose qui va de travers, genre elle est trop fatiguée, elle tombe dans les pommes. Genre le feu s'éteint par horreur, le feu s'éteint par on n'a plus d'eau. Si quelque chose en fait ne se passe pas bien, je crois qu'on meurt. Je crois qu'on meurt complètement. Donc là, en fait, on va se faire les outils au maximum. Même encore en plus. Et il va falloir qu'on se refasse aussi. Qu'on se refasse une santé. Je pense. Qu'on fasse de la nourriture de côté. Pour qu'on rentre. Enfin, après, comme j'ai dit, on a encore les massettes. Mais... Les boyaux, on n'en a pas besoin. La peau, on n'a pas besoin. Cool. C'est bien. Ok, c'est bien. Va falloir toujours récupérer plus de bois. Alors, le bois va être embêtant. Parce que plus on avance, et plus ça va être dur d'en récupérer. Hein, on est d'accord. Parce qu'on va faire un peu le tout le tour à chaque fois. On va plus avoir grand-chose. Là, il nous reste quoi encore? Une caisse, là. Et c'est tout. Après, il y a ces planches là, mais je crois que si on les détruit, c'est mort. On pourra plus monter, je pense. À moins que ça détruit que des planches, parce que vous avez vu, ça détruit tout plein de planches en fait d'un coup. Donc je suis pas sûr que. Que ça fasse la même chose. Alors, attendez, on va se mettre la viande ici. Cuire d'abord. Ok, je pense qu'on va aller dormir. Voilà. On est toujours infesté, donc ça on le verra après. On va manger un truc. Il va nous falloir de l'eau après. On va dormir encore 6 heures, 6 bonnes heures. Ouais, on va encore dormir 6 bonnes heures. Très bien, risque de parasites infestineux. Guéri. Très bien, il nous reste encore 6 heures. On va cuire la viande, comme ça elle sera prête. Parce que là on a fait les plus importants, les outils les plus importants, donc... On va
On va y aller un peu plus mollo sur le craft. Et on va essayer de faire de la viande et de l'eau. Là c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais voir si on peut pas aller récupérer d'autres trucs. Pourquoi on est aussi lourd? Ah oui, il y a une scie en plus. Il faut faire de l'eau. L'eau, on va pas en faire plus que nécessaire par contre, parce que sinon ça va être une perte de temps. On va faire plus de têtes, de flèches. Par contre, le problème, c'est qu'on pourra plus jamais y revenir à la forêt. Enfin, plus jamais. Il va pas avoir assez de charbon. Donc, si jamais on veut vraiment y revenir, il va falloir récupérer du charbon dans les mines d'abord. Et après, on pourra. Parce qu'on va jamais arriver à 150 degrés, quoi. Ok. Moins 31, c'est beaucoup moins 31. Je vais voir si on peut pas récupérer encore un petit morceau de viande du loup. Enfin, quoique, non. Non, c'est trop. Non, c'est trop, c'est trop. Ça servira à rien, ce serait trop dangereux. Parce que, genre, un steak. Genre, histoire de. Vous voyez, de tourner en fait. Avec de la viande de loup et la viande. Non, bonne. Mais là, il fait trop froid. Il fait trop froid, on voit rien en plus. Ah putain, je suis bloqué. Ok, ça on va le manger maintenant. Oh, attendez. Ah, on est bon. On va le manger maintenant pour éviter de perdre des HP. I wonder if I can drop any of this gear. Très bien. Voilà. Tac, 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 tac. C'est calmé. On va encore faire un peu parce que quand ça se calme, il fait toujours très froid au début. Toujours très très froid. 8 heures. 14 pointes. On a 14 pointes. Le marteau on le jette. On doit faire encore cuire. Ouais, on a encore. Moins 24. Bon, il fait bientôt jour. On va cuire. On va attendre qu'il fasse jour parce que sinon ça va être chiant pour regarder. On va faire ça. Bon, ça se passe bien. C'est juste c'est très stressant. C'est très très stressant. C'est un peu ça le problème. Je voudrais bien qu'on monte de niveau. Je suis bientôt 5. Hein. Je suis bientôt 5 en cuisson. Ça serait cool. Vraiment vraiment cool. On va voir un peu. Ah, cuisine, on va peut-être passer 5. Hein. Ce serait vraiment sympa. Voir un peu ce que c'est notre bonus. On a encore 8 heures. Un peu plus d'eau que d'habitude pour attendre que le que ça passe en fait, que le soleil se lève, mais apparemment il y a une tempête. Le truc c'est qu'il nous faut du bois. Succès déverrouillé sous un ciel constellé. Ah, apparemment je crois que il y avait un truc comme quoi on doit rester éveillé dehors en fait.
Moi, 29, c'est beaucoup trop. Je pense que c'est un succès comme ça. On a de la viande de cerf qu'on peut récupérer aussi. Ah oui, on a le loup ici, tout simplement aussi. C'est vrai. Ah, l'autre, il a eu peur. Ok. Pas de problème, vieux. Voilà. Normalement, là, il nous perd de vue. Je pourrais lui mettre une flèche là. Je pourrais tellement lui mettre une flèche. Encore. Il y en a combien des loups ici, putain? C'est bon là? Putain, mais ils veulent vraiment m'appeler. Mais t'es sérieux ou quoi? Oh la vache. Et ils veulent faire monter l'archerie, hein. Merde. Oh, putain, j'ai vu que quand j'ai tiré, j'ai loupé la flèche. On va voir si on peut pas le rattraper. Il est parti où ce con? Putain, on va avoir des plumes de tous les côtés, quoi. Je le vois pas. Bon, c'est pas grave. Fait un peu chier quand même, parce que là il nous reste 11 flèches. 10 de réserve, quoi. Bon, il y en a qui ont cassé, mais... Là, on a perdu une. Ça casse un peu les noix. On a 7 heures de feu. Right, I can't feel my feet. Marteau. C'est chiant, hein. So cold. Voilà. Ce qu'on devrait faire, franchement, c'est prendre les boyaux et tout aussi, putain. C'est abusé, tout ce qu'on a. On a tué plein de loups. Oh mon dieu, quoi. C'était pas prévu, ça. C'était pas prévu du tout. Faut qu'on récupère du feu. Du bois. Man, I'm not sure I can carry much more. On a toujours 1%. Faut qu'on récupère pas mal de feu là. 8 heures. Ouais, je sais. On va aller un peu vers là-bas. On va récupérer les plumes au passage. On va voir si on peut pas récupérer des branches. Ou pas de plumes, c'est pas grave. Il faut quelque chose à manger.
Je vais pas trop taper dans les réserves de viande non plus. Je vais voir un peu tous les corbeaux qu'il y a. Oh la vache. Ah ouais, non, mais là, si jamais on devait se faire repérer, genre par des ennemis, genre des soldats ou quoi que ce soit, bah là, vous cherchez les corbeaux, quoi. C'est bon. Ah là. Là, c'est pas difficile, hein. Il y a plein de bois, mais il faudrait qu'il fasse genre moins 10. Moins 10, je sors et casser les bois. Mais pour le moment, on n'a pas trop de chance. Pour le moment, avec le temps, c'est un peu la merde. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres endroits qu'on pourrait aller voir? C'est pas un ours au fond, hein? Je sais pas. Là, on voit bien. Je crois que si on suit là tout droit, on passe par le pont. Passe par le pont, enfin le pont cassé, là on peut récupérer peut-être des trucs. Faut que je dessine. Faut voir si on peut pas casser d'autres trucs. Dorme. Pas de plume. Alors moi je vais faire une pause, je vais voir si ça vaut le coup de rester, vous savez, de faire le succès là. Je vais voir si ça vaut le coup ou pas. Sinon sinon on dort un peu, enfin on se remettra plein de vie et je crois qu'on peut partir. Je vais peut-être faire essayer de faire des outils en plus ou des têtes de flèches en plus. Mais... ça fait un peu chier qu'on ait perdu une flèche là. Il est pas mort. Non, je le vois pas. Peut-être qu'il reviendra. Hein. Mais je suis quasiment sûr qu'il est mort en fait. Mais loin. Sûrement loin. Ouais, c'est pas grave. Là-bas aussi, il faudrait aller. Vérifier les petites maisons. Voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais je suis pas sûr. Ouais, bon. Faire une petite pause. Je vais aller dormir. On va faire une petite pause. On est toujours infecté. On a 9h. On va dormir 6h. À la limite, on mettra du charbon. Ouais, à la limite, on mettra du charbon. Ça nous laisse encore 3 heures pour trouver du bois, ça va. Ouais, ça va. Alors on se lève. Alors je suis allé vérifier pour le succès. Et j'ai vu que avant de quitter en fait j'ai eu le succès Centurion. Parce que on est arrivé finalement aux 100 jours, ça y est. On est à 100. On a survécu 100 jours. Donc oui, il faut garder le feu pendant 3 jours. 3 jours allumé. Donc je pense qu'on est proche des 3 jours. Il nous reste encore 5 heures et quelques. Il faut trouver du bois. Donc, moins 9, yes. Ouais, il faut qu'on... Le feu dure 3 jours, donc je pense que on est bien, là, on est très bien. Ça va bientôt arriver. Qu'est-ce qu'on prend comme bout de bois? On prend le bois tout en haut. En tout temps, il y avait un gros bout de bois. Je pense qu'on récupère 3 gros sapins au moins. On va voir. Je sais pas trop. Et là, on a du bon temps. Là, j'avoue que... merde. Si tout se passe bien, on peut récupérer du bon truc.
Mais t'es sérieux? J'étais pas sûr. Parce que en fait, je voyais toujours la flamme. Je voyais toujours la flamme, donc je me suis dit, il a pas éteint la torche. En fait, si, 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 il l'a complètement éteinte. Ce con. Putain, brutille. Enfin, connasse, connasse. C'est pas un mec, une femme. Connasse. Ah. God, I have never been so hungry in my life. Tac, tac, tac. Vas-y, c'est bon, repasse au... repasse au 9h. Alors, il nous reste combien de métal? Je pense qu'on peut faire 3h. Ouais. On va juste faire 1h pour se réchauffer. Enfin, c'est trop 1h. Parce que j'ai pas envie que le temps devienne pourri, en fait. J'ai peut-être fait le con. J'ai fait le con. Quoique non, on peut le faire. On peut le faire encore. Non, la torche, elle s'est éteinte d'elle-même, je crois. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que... En fait, la flèche... On était à une flèche vers le bas. Et elle, elle a directement changé en deux flèches. Pendant qu'elle était en train de... couper le bras. Couper le bras. Couper le bois. Donc dans, je me demande si ça a pas... Enfin, si ça a vraiment compté. Enfin bref. On va le refaire une fois. On va perdre de la vie, mais c'est pas grave. Putain, me brûle pas. Oula, par contre... Oh, je déteste ça, ce temps-là. Non, on y voit que dalle. God damn, crazy. Non, on y voit rien. C'est dangereux, ça. Très bien. Alors, j'ai envie de faire encore un couteau et encore une hachette, peut-être. Je suis pas sûr encore. Je suis pas encore trop sûr. On va voir un peu combien on en a en tout. On a 19 têtes. Nous s'en faudra encore un peu. Nous s'en faudra encore un peu. Très bien. Ouais, on va arriver à 3 jours, je pense. Ça va être cool. Il est toujours infecté, c'est chiant. Alors maintenant, je me dis que on a plein de boyaux. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de les récupérer, quoi? Parce que peau et boyaux, c'est pas de la merde non plus. Hein. Faut pas les... Enfin, quoi que les... Ça va, ça vient, les animaux. Hein. Ça reapparaît au bout d'un moment. Donc c'est pas grave, je pense. Bah, je sais pas. Je sais pas trop. Il fait encore bon, donc je récupère encore plus de bois, hein, parce que là... Tant qu'on peut faire ça, là ça va, c'est bien quoi. On gagne... c'est 1h30 je crois. Donc au moins on gagne minimum 4h30. On va baisser, on va dire on gagne 4h. Donc ça vaut le coup hein. Oh la vache. Putain. Mais il y en a combien des loups?
Mais t'es sérieux là? Attends, faut que je vois où il est. Je veux qu'il vienne en fait devant. Comme ça je lui mets une flèche. Il est juste là. Ah, il repart, merde. Il a eu peur. Ouais, mais est-ce qu'il a eu peur pour de bon ou il va revenir? Putain, ça commence à me... Ça va rendre ces relous là. Il y a, ça va faire quoi? 4 loups? Enfin 3 loups que... Non, 4 loups que je tue. Bien sûr il va... Il est en train de descendre là. Ouais, c'est cool. Je suis content là. Là je... Ah! Oh là là! Là c'est là. Ah 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 ah! 9h... ça va. Très bien. On a deux couteaux, une hachette. Est-ce qu'il est là ce con? Bon, par contre... c'est la dèche, on voit rien, c'est cool. Alors elle est fatiguée, il reste 8 heures encore. On va forger. La machette, c'est quoi? C'est 5. On a juste 5, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du coup? On forge ou pas? Deuxième machette? Peut-être plus important. Ah oh, merde, désolé, putain. Je déteste mettre boss en jeu. Qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. On va dormir et on va crafter la machette. La hachette, pardon. 7h, enfin 8h. Y'a quoi à détruire là? Y'a rien. Ça, on peut pas le casser, c'est con. Heures. Ok, voilà. 4 heures. Très bien. Voilà. Un signe reçu. Oh cool. Waouh, c'est classe. Il faut de l'eau. On a reçu un insigne, on va regarder ce qu'on a récupéré. Mais je crois que je peux regarder, par contre je vais devoir mettre pause. Il y a des corbeaux de tous les côtés, ça fait croix, par de derrière, avant, putain c'est abusé. Par contre j'espère qu'il fait assez chaud, comme ça on va pouvoir récupérer... du bois. Pause. Alors. Fusion à froid. Vous avez passé un total de 100 jours en extérieur. Vous êtes maintenant moins vulnérable au froid et gagnez un bonus de permanent de plus de 2 degrés avant de température ressentie. Ça, c'est vraiment... Voilà. Bah, si jamais ils nous refont faire, en fait, à zéro une survie avec la nouvelle mise à jour, je le prendrai, sa fusion à froid. Ça, c'est cool. S'il y a quoi qu'on a bientôt fini. Ouais, non, après, le reste, c'est quoi, ça?
Parcouru 1000 km, vos jauges d'endurance se rechargent 20... Ouais, ça c'est pas mal. Peut-être qu'on va le finir, c'est qu'on va l'avoir. Ok. Alors maintenant on a plus de... On a toujours du métal là, hein. On a toujours la... là-bas. Donc je sais pas trop... Chier. Voilà, très bien, salope. Il commence à me gaver lui, il commence vraiment à me gaver. Il reste 3 heures. On va aller de ce côté. Minutes et on en a 7. Ça fait 15 minutes. Ben ça va, ça vaut le coup. Donc par contre, faut que je me réchauffe. Oh la vache. Toi t'es un lourd toi. Par où il passe ce coin? Juste là. J'ai failli manger de la viande infectée, hein, par contre. Je fais une connerie. Par contre, elle commence à être fatiguée. Et on commence à plus avoir de bois. Ça risque d'être un problème. Ça risque d'être un petit problème. On va manger ça. Je pense qu'on arrive à la fin là. Parce que c'est pour ça que j'ai sprinté, parce que je l'ai entendu. J'ai entendu derrière la truc, je me suis dit, à tous les coups, il est juste derrière la grange, il va nous sauter dessus. Ok, on est encore reparti pour 5 heures. Ouh, la vache. Reparti pour 5 heures. Ça... Les vêtements, il faudrait les réparer. Faut que je fasse de l'eau. Ah, c'est galère quand même. C'est quand même bien galère. Faudrait qu'on dorme. On va faire de l'eau d'abord. Je sais pas si elle va pouvoir. Voilà. Là, il n'y a plus de bois du tout. Il n'y a que ça, en fait. Que ces planches, mais... je fais pas confiance. Ok. 6 heures encore. On va dormir 4 heures. Ouais. 4 heures. Alors... Il nous reste 4 heures. Alors j'ai une idée. C'est peut-être une idée conne.
Si je me trompe pas, je crois qu'il y a une grotte pas loin. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a une grotte. On a 4 heures pour y aller. Et revenir. Moins 10. Je pense que c'est le bon moment pour y aller. Je pense que c'est le bon. Alors c'est pas une grotte en fait, c'est une mine, je pense. Je crois que c'est une mine, exactement. De toute façon, on va aller dans la forêt, on va voir s'il n'y a pas des morceaux de bois récupérés, tout ça, des conneries comme ça. Comme ça, on... On récupère du bois, si jamais on la trouve pas, mais... Je suis plus ou moins sûr qu'il y a une mine. Parce que je crois avoir vu ça il n'y a pas longtemps, c'est que... chaque forge dispose d'une mine. On va peut-être pas prendre du bois en aller, on va le prendre en retour. Genre c'est fait exprès, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une mine pas loin, ou on passe par une mine, ou alors la mine est à côté. Mais je suis pas sûr. Alors ça c'est quoi ça? Du bois ça. Oh, putain, j'ai tellement envie de dessiner. J'ai une folle envie de dessiner. J'ai pas l'envie de la fatiguer non plus. Ok, pour l'instant il n'y a pas de... Pas de bestiole, je crois qu'elle est là. Il n'y a pas de bestiole. Regardez-moi tout ce bois, on pourrait tellement... Il y a un loup, merde. J'espère qu'il y a une mine. Je crois. Évidemment, il va vers nous, c'est ça? Là, je le vois plus. Yes, c'est une grotte. C'est... Non, c'est une grotte en fait. J'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde, mais il y a du bordel. Ok. Parfait. Et avec le vent, ça va s'éteindre, c'est ça? Bon, on a récupéré... Bon, ça va, notre issue plus. On a récupéré... des morceaux de bois, du sapin et tout ça là. Donc ça va. On a du charbon en plus, mais je voudrais bien en garder quand même. Genre un jour où on revient. J'ai peur qu'on tombe sur un loup. Parce que là j'entends rien. Je vais un peu moins parler. Parce que là, j'entendais pas en fait. Ok, ça a l'air d'être bon. Évidemment, le vent faut qu'il souffle de ce côté, hein, parce que sinon, sinon ce serait pas drôle. Évidemment. Alors, est-ce qu'on use les bois ou pas? Ouais, on les utilise. De toute façon, si jamais on doit revenir à une forge. Putain, mais j'entends du bois. J'ai l'impression que. Genre. Ou c'est quelqu'un qui renifle, ou c'est un chien qui grogne, enfin qui grogne, je sais pas quoi. J'ai l'impression d'entendre crac crac tout le temps. C'est moi qui deviens fou, ça y est. Enfin bref. Ouais, si on reviendra, de toute façon, on fera le plein de bois, hein, comme j'avais dit, comme j'avais fait. Ça serait, c'est très bien passé, donc on fera ça. 4
4 heures. Très bien, on dépose le charbon. On en a 4 quand même, c'est bien ça. Et après on a 3 trucs. Voilà, on est repassé à 8h40. Ah ouais, les torches, ça c'est con, c'est quand on les balance, en fait, les torches ne prennent pas de... Ça augmente pas le temps. Il faudrait... Putain, on peut refaire un couteau. Ah ouais, c'est que 3 ferrailles. Intéressant. On pourrait... Enfin oui, quand on balance les torches, je finis sur ça. Ça rallonge. Ça ajoute pas du temps avec le feu. Faut d'abord les transformer en bouts de bois. I'm gonna need to rest soon. Ok. On va faire de l'eau. Et on a de la... Je crois que là on peut partir. Je crois que... On peut partir. Je regarde si j'ai pas loupé un petit bout de ferraille quelque part. Casier vide pas du coup, non, on peut pas le casser. On peut pas le casser. J'ai envie d'aller voir les maisons. Peut-être on va peut-être aller voir les maisons. Je vais voir pour un boyau. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait. C'est complètement inutile. Oh, sure, I'm getting cold. Je crois qu'il y a un loup pas loin. Il y a un loup pas loin. On va réparer ça. Je pense pas que le reste on va le faire. Je sais pas. On va peut-être le faire, parce que en fait, j'ai peur que ça se casse, ça s'abîme complètement. Donc autant le faire. Et maintenant on va choisir, est-ce qu'on reste ou on part? Est-ce que ça fait 3 jours qu'on a le feu ou pas? C'est con de... Ce serait con de passer à côté du succès, hein. Pour pas grand chose en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais faire de l'eau. Merde, j'ai pas fait d'eau, c'est pas grave. On en fera quand on se réveille. On en fera quand on se réveillera, on fera 3 litres au moins. Alors du coup on va dormir combien de temps? 6 heures? T'as combien? 8. Ouais, 6 heures. Et après, je sais pas, je vais réfléchir, faut voir. Je sais pas ce que je vais faire. Quand tu veux le succès, tu t'actives, hein. Putain. Jamais est-ce qu'on a dormi 6 heures, mais le feu il est toujours allumé, c'est ça qui est bizarre. Super étrange en fait. Des fois je comprends pas trop comment ça marche. J'ai l'impression que faire accélérer le temps c'est différent de quand on dort. C'est un peu étrange. Vous voyez ce que je veux dire? Là. On
Alors, résultat des courses. 8, 9, 10, 11. Il nous reste 11 flèches. On a perdu au moins une ou deux, je crois, dans tout le bordel, dans toute cette aventure. On a 29 têtes de flèches, et c'est bien. On en a d'avance. Ok, il nous reste 4 heures. Ok. Je pense qu'on va aller voir sur le petit îlot là. On a 4 heures d'exploration. On est en bonne santé, elle n'est pas fatiguée, donc on va pouvoir sprinter si jamais on a besoin de sprinter. On va aller là-bas là, en face. Je crois que c'est en face. Ou c'est là? Non. Non, je crois que c'est en face. Faut suivre en fait les... le pont. J'ai fait le tour, c'est juste là. Il y a des petites maisons, là, des fois il y a des trucs. Ça, on va le prendre. Ouais, voilà. Ah, yes. Oh, yes. Bah merde, elle l'a vraiment éteinte. Ça, on pourrait la casser. Il y a une chaise. Une heure pour casser une chaise. Plus d'une heure. Mais tu te fous de moi, toi. Ah, loup. Je crois que ça, c'est le loup. C'est pas la carcasse du cerf. Si. Ou alors là-bas, c'est le loup. Si, c'est carcasse de cerf. Ok. Bon, bah j'ai rien dit. Je pensais que c'était le loup. Vous savez qu'on a mis une flèche et il est parti. Je vais toujours récupérer ma flèche, moi. Oh mon dieu, monte. S'il te plaît, Torres, sérieux. Quoi. Je regarde pour les plumes. Pas grand chose. Là, peut-être. Je sais pas. Bois de récupération, voilà, un peu de charbon, et on en a deux, non trois en plus, bien, faire fondre de l'eau, ça aussi, qu'est-ce que ça va être bien, le gameplay, parce que imaginez, là, c'est horrible, parce que la forge, c'est très important de la garder en vie, donc... Là, le temps qu'on perd à faire de l'eau et de rester devant comme un con, là. Oh, qu'est-ce que ça va être bien. Bon, par contre, on n'a plus trop à manger. Oh merde. Je vais prendre une torche. Ouais, on n'a plus trop à manger. Enfin, on peut encore durer 2 jours au moins, mais... dire. Je veux aller de l'autre côté. Vous savez, on était passé par la tempête. On était passé par là pour la tempête. Là, il n'y a rien. C'est juste détruit. Il y a beaucoup de ressources, en fait, dans les alentours. Il y a beaucoup de... Ah, là-bas, il y a une maison détruite. Il y a des champignons. Il y a des... Ah, des baies. Il y a des barbes. Franchement, c'est une bonne zone. On devrait en faire le... Non, c'est pas une maison, ça. On devrait vraiment en faire le tour, hein.
pense que ce que je vais faire. Hein. Essayer de récupérer le plus de choses possible. Enfin. Alors là, bon, c'est tout détruit, hein, donc on va sûrement pas trouver grand chose. Mais il y a des caisses, palettes, 50 minutes. Chut, tout ce qu'il y a. Ça vaudrait le coup là hein, de récupérer des boîtes. Il y a une maison qui est. Que dalle. Ah, ça vaudrait bien le coup hein, de casser toutes ces boîtes là. Mais on peut pas, fait trop froid. Il faut 2 heures. Le maximum qu'on pourrait rester à l'extérieur, c'est 1 heure. Tout ce qui est plus 1 heure, on joue avec notre vie. On joue avec notre disque. Si le temps change au moment où qu'on est en train de casser, on peut geler. Enfin, voilà, c'est très très. C'est plus 1 heure, c'est très très risqué. Même si on a de la vie, j'ai pas envie d'avoir une gelure. Les gelures, elles partent pas. Hein. Y a quoi, là, y a rien. Oh putain, je suis encore descendu. Les gelures ne disparaissent pas, donc. On peut casser ces planches là. Non. Aussi, quelque chose qu'il faudrait qu'ils rajoutent, qui serait bien, c'est pouvoir couper des arbres. Genre, il faut au moins, par exemple, on va dire 20 heures pour couper un arbre. Et on peut, genre, aller couper, taper avec la hache pendant 5 heures et puis après on revient plus tard, etc. Là, ça pourrait être sympa de pouvoir faire ça. Je trouve ça plutôt cool, ça pouvait exister. Bon, on a 7 heures de feu. Ouais. Je sais pas trop quoi faire là. Je sais pas trop quoi faire. En fait, on peut partir, hein. Là, on peut complètement partir. Par contre, je voudrais bien monter de niveau, quoi. Cuisine. Voir un peu. Ça augmente la cuisine. Yes, non, yes, non. Non. On va plus pouvoir en faire, sûrement plus. Encore 6 heures de feu, on va peut-être dormir. Bon, bah c'est tranquille. Je pense qu'on va rester encore une nuit ici, puis après on va partir. Faire un peu les vêtements, tant qu'on y est, comme j'ai dit. Ah oui, il faudrait faire ça. Ah, oui. On va faire l'été. Parce que je voudrais monter... En fait, là, je suis curieux, c'est tout simplement curiosité. Hein. Là, je voudrais voir niveau 5 ce que ça donne. Je veux vraiment voir ça maintenant. Puis après on dort. On va peut-être mettre deux charbons, comme ça on va dormir 6 heures. Comme ça elle est moins fatiguée. Alors attendez, que je regarde, juste par curiosité. On a alors 20% calories en plus, les boîtes de conserve et délai de cuisson, ok. Je vais voir un peu. Non.
ça donne de l'expérience. Normalement, oui, parce qu'on a le logo qui s'affiche, mais bon. J'ai pas l'impression que ça donne grand chose en fait.